faire revenir le foie de volaille coupé en morceaux dans un peu d'huile. Veuillez bien le couvrir parce que ça va faire des éclaboussures. Surveillez la cuisson et faites attention à chaque fois que vous tournez les morceaux. Voilà, maintenant que ça a bien cuit, je vais ajouter l'ail. Bien sûr, il ne faut pas travailler avec une seule main. On fait revenir un petit peu. Ensuite, on ajoute les épices. Là, j'ai un peu de sel, un peu de coriandre en poudre, un peu de poivre noir et un peu de cumin. J'ajoute maintenant la tomate coupée en morceaux. Si vous avez des tomates fraîches, pour ma part, j'avais des tomates en boîte. Et c'est ce que je vais ajouter à mon mélange. Voilà. Et on couvre et on laisse encore cuire. Quand ça commence à bouillir comme ça, ajoutez du thym et de la coriandre. Couvrir encore un peu et laisser cuire. Bien sûr, il faut goûter pour savoir si ça manque de sel ou bien des épices comme le cumin et le poivre noir. Et on se voit après. Voilà, quand je commence à voir de l'huile sortir ou rejeter par la sauce, ça veut dire que mon plat est prêt et je retire du feu.